Allez, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Je vous propose qu'on rebondisse sur le live de FFG qui vient de se terminer au moment où j'enregistre cette vidéo et donc qui a présenté le Starhawk et le Onager. On va regarder ensemble les profils des vaisseaux ainsi que les cartes d'amélioration qui ont été dévoilées. Allez, c'est parti. On va commencer donc côté Rebelle avec le cuirassé de classe Starhawk Mark 1. 140 points, c'est inédit chez les Rebelles, mais bon, il faut avouer qu'il a du retour. 14 points de coque, c'est énorme quand on se rappelle que le SSD en a 22. Le tir contre les escadrons sera un des bleus et un des noirs, ce qui va laisser le temps à ceux-ci de s'approcher de vous. Alors pensez aux cartes qui vous permettent d'ajouter ou de changer des couleurs en rouge, ou optez pour un vaisseau ou un escadron de soutien. 4 en ordre et en mécanique, là aussi on se hisse au niveau du SSD et 3 en escadron, ce qui est un tout petit peu light vu la taille du bestiau, mais on sait qu'il ne sert pas vraiment à ça. Les pions de défense sont sympas puisqu'ils révèlent le fameux salve qui vous permet de tirer en réponse à une attaque même si vous avez été détruit par celle-ci. Une consolidation et une redirection s'imposaient. Et le pion contre les critiques, que je n'apprécie pas vraiment, verra son utilité avec une certaine carte, mais dont je reparlerai plus tard. Pour le déplacement, on aura une vitesse de 1 à 2 avec une embardée de 1 pour chaque section. Je vous rappelle qu'avec un ordre de mouvement, vous pouvez booster tout ça. Les boucliers sont très impressionnants, carrément supérieurs au SSD, puisque vous aurez comme lui 6 en proue et 2 en poupe, mais 4 à bâbord et à tribord, ce qui est un de plus que son concurrent de l'Empire. Niveau dés d'attaque, il est clairement sur du frontal, même si les flancs ne sont pas en reste. L'avant avec 4 rouges, 2 bleus et 2 noirs va tirer loin et donc tôt, mais conservera des chances de critique à modifier avec les noirs. Sur les côtés, 2 rouges, 2 bleus, 1 noir, c'est équilibré et malgré un bouclier de 2 sur l'arrière, il aura de quoi accueillir les escadrons qui l'auront contourné avec un double rouge et un noir. Sa barre d'amélioration est vraiment conséquente, et ce, dès sa version de base. Avec 2 officiers, une waypoint team, une offensive, un turbo blazer, un canon à ions et une nouvelle icône pour le rayon tracteur. On notera qu'il sera possible donc d'utiliser les cartes doubles pour faire des raids sur les vaisseaux. C'est sympa, il y en aura une, on en reparlera aussi. Enfin, pour le Mark II, on est sur un profil qui passe à un rouge et un bleu contre les escadrons, échange un noir pour un bleu en proue et en poupe, et échange un noir pour un rouge sur les flancs. La barre d'amélioration est identique, ce qui est vraiment dommage, car pour 150 points, les apports se bornent donc à un changement de couleur de dés. Franchement, je comprends pas trop. On passe aux cartes d'amélioration d'équipage et surtout à l'officier commandeur qui a été présenté, à savoir Kirsta Agathe en amiral pour 20 points. Après votre déploiement, gagnez un pion de défense non dispersion. Lors de votre étape, utilisez des pions de défense. Si votre vitesse n'est pas 0, vous pouvez défausser un pion de défense pour résoudre l'effet de ce pion de défense que vous avez capitalisé. Vous ne pouvez pas résoudre l'effet de chaque type de pion de défense plus d'une fois par attaque, ça c'est la règle. Cela vous permet virtuellement d'échanger votre pion de critique contre ce qui vous semble le plus en phase avec votre façon de jouer. Là, je parle pour moi, je suis fan. Kirsta Agathe existera aussi en officier pour 5. Sur rouge ou bleu critique, vous pouvez épuiser cette carte pour restaurer un de vos pions de défense épuisés. Vous pouvez résoudre cet effet critique lors d'une attaque de salve. Pratique si vous savez que vous allez survivre à une attaque et que vous voulez utiliser la salve déjà orange. Vous la récupérerez pour peu que le critique sorte sur une salve frontale. Ce sera vraiment pas de chance si cela ne se produit pas.
Allez, on va découvrir également la carte de Wedge Antilles pour 4. Franchement, j'adore. Avant la fin de la phase d'escadron, vous pouvez utiliser un pion escadron pour choisir jusqu'à 3 escadrons alliés non uniques, sans stratégique, à distance 1-5. Ces escadrons gagnent occultation jusqu'à la fin du round. Je vous rappelle que l'occultation vous autorise un mouvement de 1 même si vous avez été activé, que c'est également le cas de stratégique pour atteindre un pion d'objectif, que les pions, vous allez les capitaliser assez vite, hein, parce que vous aurez 4 ordres, que 3 escadrons, c'est beaucoup, et que distance 5, c'est loin. Bref, c'est tout bénef, et cela va vous permettre de mettre un petit coup de boost final qui vous placera définitivement en position, soit d'entamer votre travail de sape sur un vaisseau, soit de totalement paralyser les escadrons de l'Empire. Vraiment, j'adore cette carte. Shrive Surgave pour 6. Quand vous révélez un ordre, vous pouvez défausser un cadran ou un pion escadron de cette carte pour choisir un vaisseau ennemi à portée courte. Choisissez et défaussez une carte d'amélioration dont est équipé ce vaisseau ennemi. C'est cool, mais c'est du one shot et comme toujours, c'est à distance 1. Après, si vous avez identifié une carte d'amélioration qui vous pourrit la vie, ça peut sauver tous les autres vaisseaux de votre flotte. C'est très Rogue One comme carte, car contrairement à Finn, eux ils réussissent toujours leur mission. Allez, on découvre également la carte titre Amity pour 6, marque 1 uniquement. Après votre déploiement, gagnez un pion de défense évasion. Quand un vaisseau ennemi vous chevauche, vous pouvez attribuer une carte de dégâts face cachée supplémentaire aux deux vaisseaux. Normalement, hein, quand on s'est prone, c'est juste une carte. Et là, vu la coque du Starhawk, pour vous, c'est tout bénef. On trouvera également la carte Concorde pour 12, également marque 1 uniquement. Après votre déploiement, vous gagnez un pion de défense salve, tant que vous défendez si votre vitesse est 0. Pendant votre étape, utilisez les pions de défense, vous pouvez utiliser un pion de défense. Alors, non seulement on gagne salve, mais en plus, on ouvre la porte au pion de défense à vitesse 0, ce qui est normalement interdit. Donc si vous comptez jouer statique, il vous faut absolument ce titre. Enfin, Unity 10, après votre déploiement, gagnez un pion de défense redirection tant que vous attaquez un escadron. Si le défenseur est engagé avec un escadron allié sans le mot-clé imprimé lourd, vous pouvez relancer un dé. Cela vous permettra de bien soutenir vos chasseurs si ceux-ci vous protègent. Franchement, là aussi, c'est un bon compromis en fonction du mode de protection que vous aurez choisi. Le rayon tracteur aux cristaux de magnétite pour 10 points. Après la fin de votre activation, vous pouvez épuiser cette carte pour choisir un vaisseau ennemi situé à distance 1-5. Sa vitesse est augmentée ou diminuée pour correspondre à la vôtre. Tant que votre vitesse est 0, vous ne pouvez pas restaurer cette carte. Vous pourrez donc stopper net un vaisseau, mais pour le garder captif, il vous faudra redresser et donc bouger. Mais vu la distance, c'est vraiment handicapant pour les raiders ou les exécuteurs par exemple. Allez, on passe à l'Empire. On a découvert donc la plateforme d'essai de classe Onager pour 96 points, on sait déjà qu'on est sur quelque chose de différent par rapport aux sorties de la rébellion, et c'est normal puisque l'Empire est déjà bien équipé en colosse. 10 points de coque, un dé noir en escadron, attention, ils seront donc difficiles à tenir à distance. Et comme niveau bouclier, vous serez vraiment pauvre, il faudra faire gaffe. Le Onager est un vaisseau qui se jouera presque statique, et vous serez la cible de tout ce que le camp d'en face a de mobile. Alors pensez bien à vous protéger contre les escadrons, avec des raiders par exemple, soit faire barrage avec vos vaisseaux. 3 en ordre et en mécanique, c'est assez pour capitaliser des pions et les additionner le moment venu, et seulement 1 en escadron, là aussi c'est normal vu que c'est un gros canon et qu'on a le quasar pour gérer les chasseurs. Côté pion, on sera sur une consolidation et une redirection bien connue là aussi. La salve qui permet donc une riposte. A voir si c'est possible avec l'arme spéciale, mais de toute évidence, non.
Cette arme spéciale, j'aimerais bien en parler, elle bénéficie d'un token de visée qui est placé à l'avant du vaisseau à une certaine distance bien définie, et c'est à partir de ce token là que l'on vise la portée sur les vaisseaux que l'on cible. C'est absolument génial et ça a été dévoilé pendant la partie. Le vaisseau sinon bénéficie d'une bonne plaque de mouvement avec une vitesse jusqu'à 3 et des embardées qui seront idéales pour moduler avec des ordres et des pions. Pour les tirs, on sera sur un rouge, un noir et deux bleus en proue, le binôme rouge-bleu en poupe et deux rouges et un bleu sur les flancs. On comprend tout de suite que l'idée n'est pas là. Le tir principal, genre Bullseye de X-Wing, envoie du lourd 4 dés rouges, 3 dés noirs et surtout associé aux cartes titres pour des effets vraiment létals et pas que pour la cible, vous pouvez me croire. La barre d'amélioration, elle peut sembler un peu pauvre, mais elle est cohérente. Un officier, évidemment, deux canonniers, un équipage et un icône spécial pour le canon, donc. On y a découvert pendant cette vidéo, côté donc Empire, le général Ramodi pour 20 points. Tant qu'un vaisseau allié attaque un vaisseau, si l'attaque est gênée par un vaisseau ou un obstacle, l'attaquant ne retire pas de dés, même si l'attaque est également gênée par un effet de carte. On peut ajouter un dé rouge à la réserve d'attaque. Triple effet donc, puisque déjà, on n'est pas gêné, mais surtout, on n'est pas gêné par les effets de carte. Et enfin, un dé rouge en plus, qui certes a deux faces vierges, mais c'est toujours ça de prix et ça peut se modifier. Du coup, c'est vrai qu'on comprend qu'il peut y avoir une tactique à protéger en fait son onager en mettant de travers devant une cible un vaisseau. Ce vaisseau ne gênera pas le tir de l'onager qui pourra en fait se donner à cœur joie et canarder donc le vaisseau qui viendrait lui chercher des noises. En équipage, le commandant Beck pour 3 points. Lors de votre activation, vous pouvez résoudre un ordre comme si vous aviez utilisé un pion d'ordre. Dans ce cas, gagnez un pion de raid du type correspondant. Vous pouvez résoudre cet effet 2 fois par activation. Alors c'est vrai, les pions de raid, c'est une des dernières avancées du jeu. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la page de Star Wars Armada France en lien sur la vidéo pour en connaître toutes les subtilités. Je suis sûr que Julien se fera un plaisir de nous faire un exposé. Canon Orbito à bombardement de particules, c'est une modification pour 5, donc elle apporte ignition, c'est le fameux pion du canon du Onager. À portée longue et ignition sur rouge critique. Chaque autre vaisseau à distance 1 du défenseur subit 2 dégâts et chaque escadron à distance 1 du défenseur subit 1 dégât. Ignition, c'est l'arme spéciale donc de l'Onager. On voit que l'arme est pensée longue distance et qu'avec des critiques, elle tape plus large que sa cible. Donc pour se tenir à distance des conflits et taper dans le tas, c'est cool pour peu que vous arriviez à vous en préserver. Attention, c'est chaque vaisseau et escadron à distance 1, les vôtres compris donc. Enfin, la dernière carte qui a été révélée, c'est Rack-L pour 4. Sur un mouvement, tant que vous exécutez une manœuvre à vitesse 0, vous pouvez résoudre un cran d'embardé d'articulation de vitesse 0 et vous êtes considéré comme ayant une valeur d'embardé de 1 pour cette manœuvre. Ça c'est tout simplement histoire de repositionner au mieux et d'optimiser au mieux votre ignition au cours de la bataille avec votre onager. Je ne sais pas s'il faut rester statique, mais en tout cas, dans la démonstration de ce soir, ça a été assez utile jusqu'à ce qu'il trépasse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Malheureusement, je garde le reste des cartes sous le coude et je vous les dévoilerai en temps voulu. Et je vous promets, il y a du lourd. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker la vidéo et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et pour fêter le retour d'Armada. À très bientôt. Ciao.